numéro 7, monsieur Auguste. Merci, monsieur le président. L'implantation par un plan de solarisation massif des systèmes de panneaux solaires dans les établissements scolaires gérés par la région devrait être l'occasion d'inciter les équipes pédagogiques des structures concernées à tester le libre arbitre et l'esprit critique de nos lycéens, comme tout bon citoyen doit pouvoir en jouir. Former nos lycéens au jugement qualitatif et à l'évaluation des conséquences tant bénéfiques que tangentielles pour leur avenir devrait faire partie des objectifs de l'exécutif, avec notamment, vous aurez compris la portée de l'amendement, des potentiels travaux de recherche et de mise en questionnement de nos apprenants concernant le localisme de l'action régionale. On pourrait ici instaurer un kit de communication informationnelle et expérientielle permettant aux lycéens de s'interroger sur la faisabilité de cette démarche de solarisation. Ils pourraient par exemple, simple exemple pris au hasard, questionner la provenance des matériaux et des sociétés posant ces appareillages, interroger le suivi et le recyclage de ces installations, bref, agir en citoyen ouvert et responsable, en somme tout l'inverse de ce qu'on a pu constater avec les actes barbares commis cette nuit dans de nombreuses villes françaises. Je vous remercie. Merci.